Salutations à tout le monde. C'est toujours Gilmas. La vidéo ici, elle est tellement forte, violente. Celui qui n'est pas prêt n'a qu'à quitter la chaîne. Fally Ipupa a voulu violer Virginie Manganga dans l'hôtel. Les réalités sont là, elles commencent maintenant à venir. La vérité commence à pomper. Fally Ipupa a voulu violer Virginie Manganga à l'hôtel. Heureusement que Virginie Manganga était déjà sortie dans la chambre. Fally en colère, pensant que Virginie Manganga est venue, est sortie pour l'accuser, et il a commencé à faire les palabres. La réalité est que Fally Ipupa a tout fait pour violer Virginie Manganga. Mais ce que je vais demander d'abord aux Congolais, les Congolais qui se respectent, qui m'écoutent à cette heure-ci. Sai Sai a violé une femme. Mais j'ai vu toute la communauté femme, toutes les femmes de la communauté congolaise sont venues pour insulter la femme qui a subi la violence. Mike Kalambay a fait la même chose. Toutes les filles se sont levées contre la femme qui a été violée. Koffi Olomide a giflé une femme en Nairobi, au Kenya. Les femmes sont venues insulter la fille est là. Mukuna fait la même chose, Pasteur Mukuna. Il y en a beaucoup tant d'autres au Congo. Mais toutes ces femmes-là subissent l'agression de leurs compatriotes et femmes. Au lieu d'être soutenues par les femmes, mais ce sont les femmes qui les lâchent, qui les laissent. Et puis, c'est elles qui insultent, qui insultent violemment les femmes qui viennent d'être agressées par les hommes. Aujourd'hui, c'est Fally Ipupa. Au lieu de montrer à Fally Ipupa ses erreurs, c'est la communauté des femmes. Les femmes censées sont là déjà pour insulter Virginie Manganga. Et les gens vont même très loin à dire qu'elle est pite. Même Fally Ipupa, selon les dires de notre sœur, Fally Ipupa l'a insulté pite. Je ne sais pas si Fally connaît la signification de pite. Aujourd'hui, je vais parler des mères officiers, des mères Niang, je ne sais pas comment on l'appelle, et Grace Mbizi. Il faut qu'on puisse commencer à mettre chacun à sa place dans la communauté, puisque la visibilité de nos chaînes, l'accessibilité de nos caméras ne nous permet plus à respecter, soit à dire la vérité. Fally avec sa bande de menteurs, Fally comme étant père de mensonges de la communauté congolaise, de la musique africaine, est père de mensonges, qui a conçu des petits démons sur les réseaux sociaux pour déstabiliser la vérité, pour désorienter la population congolaise de la vérité. Mais je suis ici pour vous remettre en ordre. Demer Nyangi, avec ton nez comme pygmée, je te connais, je t'ai déjà vu beaucoup de fois sur les réseaux sociaux. Ma soeur, tu appelles ta consoeur une pite. Fallait l'appeler une pite et puis tu conçois de telles insultes à l'égard de ta soeur. Toi-même, demain, toi-même, tu es pite. Tu as couché avec combien d'hommes dans ta vie? Tu as fait la fin avec qui? Après la fin, là, est-ce que tu as déjà connu d'autres hommes? Soit avant le père de ton enfant, tu avais connu d'autres hommes? Si tu as connu plus de 4, 3 garçons, tu es déjà pite. C'est ça la réalité. Si tu as déjà connu plusieurs garçons, le pluriel commence par deux. Tu as déjà connu plus de ça, tu es pite. Toi, tu as déjà couché avec Frank Stemaye. Tu as couché avec Thierry Mombaya. Tu as couché avec Vincent. Et puis, c'est toi qui veux donner les gens leçons morales sur les réseaux sociaux. La femme ici. Moi, je me demande chaque jour au beau Dieu. D'abord, je me pose la question seulement à général. Si et seulement si tu étais belle et puis élancée. Beau Dieu, maintenant à toi, merci d'avoir créé cette dame courte et vilaine. Sinon, les gens ne pourront même pas boire de l'eau.
Dieu savait que si elle créait la fille ici et lançait, et puis belle, elle pourra créer des désordres dans la communauté. Heureusement que Dieu, l'homme est Dieu de miséricorde, Dieu qui voit loin, il a su que la petite là était une démon. Dieu l'a créée petite, comme un pygmée, et puis pite encore, puisqu'il a déjà couché avec plus de 3 personnes, 3 garçons, c'est une pite. C'est ça la réalité. Une dame que tu peux respecter, une dame qui est comme toi, qui coule de ça comme toi, si on l'appelle Pete aujourd'hui, demain toi aussi tu seras appelé Pete. Heureusement que tu es déjà une Pete demain. Heureusement que tu es déjà une Pete. Fali, une star congolaise dans un pays étranger qui va agresser sa sœur de sa communauté. Heureusement que la sœur était forte. Elle a poussé Fali avec ses petits pieds. Fali est tombé sur la chaise. C'est ça qui est la réalité. Il faut être quand même, il faut avoir de l'amour du prochain. Même si vous avez des problèmes, vos langes sales doivent se laver au Congo, dans votre communauté, pas à l'extérieur. C'est la seule communauté qui fait la honte en Afrique centrale, la communauté congolaise. Dans tous les sens, dans la politique, dans la vie sociale, dans la vie économique, c'est la communauté congolaise. Même dans les médias, c'est la communauté congolaise qui fait la honte. Je ne pense même pas que j'ai le temps d'ouvrir ma bouche, de parler de Grace Mbizi. Puisque elle-même, elle sait qu'elle est vilaine d'abord. Elle sait elle-même qu'elle est moche. Elle sait aussi qu'elle est une pite. C'est sa vie en Europe. Elle vit de l'argent de elle est pite. Elle vit de l'argent de la prostitution. Pour elle, je n'ai même pas besoin de dire. Mais ce que je veux dire à la dame là, avant d'insulter les gens qui puissent regarder. Regarde la maison d'une dame qui a été en France pendant une décennie, plus de décennies. Regardez sa maison, la façon elle s'habille, la façon elle se comporte. Les filles comme Grace, ce sont des filles qui ont amené l'Afrique avec elles en Europe. Elles se comportent comme les Africains dans tout ce qu'elles font. Pendant qu'il y a des gens, il y a des personnes qui sont venues il y a seulement 1 ou 2 ans. Ces personnes-là ont déjà évolué. Ils ont déjà pris la vitesse de croisière pour se rattraper dans la vie. Mais il y a les gens qui sont en Europe pendant plus de 10 ans. Ce sont toujours les mêmes. Regarde Grace Mbizi. C'est comme si elle a déjà mis savon, mais le savon même a refusé son corps. Le savon a déjà refusé sa peau. Regarde sa peau. C'est la fille qui va insulter une dame qui vit en Afrique. Une fille qui est capable d'aller dormir à l'hôtel qu'elle-même elle ne pourra même pas louer. Quand vous appelez quelqu'un pite, mais il faut regarder la qualité aussi. Si elle est pite, la qualité aussi, ça compte. Il y a les pites de la rue, les pites qui se respectent. Quand Grace Mbizi dit qu'il y a l'argent, on l'a donné 300, 400, toi, on couche avec toi avec combien d'argent? Il y a le montage sur les réseaux sociaux pour faire nuire la personne de Virginie. Tout est là pour monter les mensonges. Pendant qu'ils savent bien que Fali a voulu violer la fille, elle a voulu la forcer sexuellement. Maintenant, tellement que ça fait honte, ça fait pitié à Fali. Ils savent que Fali est une star. Si de telles vérités sortaient, il sera vraiment humilié. Mais, et ils ont décidé de déstabiliser leur propre sœur au détriment des voyous comme Fali. Je ne comprends pas les Congolais. Je sais que Grace Mbizi filme des chèvres. Elle filme des choses là tellement difficiles à digérer. Mais quand même, il faut avoir l'essence, la conscience, la morale humaine quand même. Virginie, c'est une dame comme vous. Une dame comme vous. Elle fait sa vie paisible au Congo. Elle ne demande rien de vous. Elle ne parle pas de vous de telle façon. Même si vous avez des problèmes, elle sait comment contrôler sa voix. Si elle dit que Fali n'est pas bon, Virginie n'est pas la première personne de dire que Fali n'est pas bon.
Ce n'est pas la première personne et je ne pense pas qu'elle sera la dernière. Puisque moi, je l'ai toujours dit que Fali n'est pas bon. Il n'est pas le meilleur. Il est bon, mais n'est pas le meilleur. La façon dont on dit qu'il est meilleur, il est le meilleur, pour moi, je n'ai jamais vu ça. Puisque quand on parle de la musique rumba, on a toujours jusqu'à aujourd'hui parlé de la référence de, comment, de qui? Tabouley. Luambo a joué combien de concerts au monde? Il a joué à Paris partout. Mais quand on parle de la référence, de la rumba, il y a toujours, c'est, par rapport à Luambo, c'est l'autre, c'est Tabouley qui apparaît toujours. Quand on parle de rumba, on parle directement de notre vie, notre fait, Tabouley. Il y a même des références au Congo. Quand on dit Tango Yaba Wendo, Wendo n'a pas joué beaucoup de concerts. Mais le fait qu'il a laissé quelque chose d'important, il a tracé la ligne. Il est comme un monument. Il est comme un monument. Mais Fally, qu'est-ce qu'il a laissé jusqu'à aujourd'hui? Côté Seben, côté les animations, il est foutu. Côté des chansons rumba, on ne peut pas parler de Fally tant qu'il y a des Tabouley, même s'il n'est pas là. Il y a des Koffi Olomide, il y a des Ferregola, il y a Eritio Tanabe aussi. Il y a Papa Chéri aussi fait des rumba. Il y en a beaucoup. Mais quand il s'agit de détourner les gens de la réalité, vous êtes prêts à dire de n'importe quoi. Quand on parle de single, l'homme qui a créé, qui a amené les singles, les albums singles au Congo, c'est Werrason. Et puis tout ce qu'il a fait comme des singles, ce sont des chansons jusqu'à aujourd'hui qu'on ne peut même pas comparer à des singles de Fally Ipupa. Werrason a commencé single avec Alerte Générale. Il n'y a aucun générique de Fally Ipupa qui aura l'auteur d'Alerte Générale. Côté guitare, côté danse, côté chorégraphie, côté clip, aucun. Il y a des blocs cadenas, des sous-sols. Ça, c'est Werrason avec Satellite. Ce sont des singles que Werrason nous a donné. C'est lui qui a créé des choses de singles dans notre communauté. Il n'y a pas autre. Mais là, Fally, il nous a donné quoi? Même un rythme, lui-même, il a dit, il veut imposer ton corps. C'est quel rythme ça? Il y a des coupés décalés? Si vraiment, vous êtes sincère, Tokos 1, Tokos 2, ce sont des rythmes qui sont déjà là. Comparé à un monsieur comme Inos B, il a imposé un rythme qui n'a pas été dans la communauté congolaise. Il a imposé ça. C'est lui qu'on peut dire un créateur. Fally Tié, c'est ma imparvenu. Moi, je dis, il est parvenu. Mais tellement que vous savez bien que si on commence à dire la vérité, si la carrière musicale de Fally Ipupa, tout le monde va les rejeter. Il y a des preuves de concerts où il n'est même pas capable de chanter. Il n'est même pas capable de reproduire ce que lui-même il a fait dans des studios. Il y en a plein d'exemples sur les réseaux sociaux. Je n'ai même pas besoin d'étaler ça ici. Mais c'est la personne là que vous voulez forcer aux gens qu'il est le meilleur. Virginia dit, le monsieur là n'est pas meilleur. Il y a des preuves. Elle a montré des preuves. Pour vous, on est forcé de mentir comme vous. Pour vous, nous devons mentir tellement que vous êtes des menteurs. Vous voulez que tout le monde mente. Je ne sais pas, tout le monde ment. Ça dépend du français que vous allez recevoir chez vous. Mes chers amis, nous devons protéger nos sœurs. Nous devons protéger nos mamans, quelles que soient leurs erreurs. Les mamans sont à protéger. Elles sont passées dans beaucoup de choses. Elles sont passées dans beaucoup de faits de la communauté et du monde entier. Il n'y a personne qui va relever les défis de la protection, de la promotion de la femme africaine, de la femme congolaise. Il n'y a personne. C'est nous les hommes congolais, nous les femmes congolaises qui avons le devoir de promouvoir l'émancipation de la femme congolaise, de promouvoir l'émancipation de la femme africaine. Mais tellement que vous êtes drogué avec les petites sommes d'argent, vous ne regardez même pas les côtés positifs des personnes. Vous ne regardez que des côtés négatifs. Et puis, à part les côtés négatifs, vous amenez les mensonges. Il faut dire même les côtés négatifs dans la vérité, dans sa véracité. Mais vous amenez les mensonges. Est-ce que vraiment,
quand on met des mères officielles comme ça, et c'est pas Virginie, qui est Pete? Qui est Pete? Quand on met Grace Mbizi avec Virginie, qui est Pete? Tout ça, quand vous voyez, c'est céphalie. Tellement que tous ces gens-là, ils mangent derrière la femme Nicki Minaj, ketchup. Ils sont toujours là. Quand ils doivent venir insulter les gens, quand il s'agit de protéger Nana Ketchup, ils sont là pour insulter tout le monde. Mais moi, je vais vous dire ceci. Virginie, elle a plus d'importance que Nana Ketchup. Trop d'importance que Nana Ketchup. Mais moi, je ne veux pas même pas entrer avec Nana Ketchup, puisqu'elle me connaît. Mais les regrets que moi j'ai, que les Congolais ont aujourd'hui, les femmes sont là pour insulter d'autres femmes. Les femmes qui sont violées, elles ont besoin d'une protection, elles ont besoin d'aide. Mais ce sont les femmes congolaises qui vont passer pour vraiment les enfoncer dans les trous. Même si elles ont droit, elles ont raison. Les femmes congolaises vont tous crier pour se faire aimer par ces hommes-là qui font du mal à la femme congolaise. La femme comme des mères, c'est une femme vraiment maudite. Une femme maudite. C'est pour cela que Dieu l'a créée courte. Grâce à une femme maudite, depuis qu'elle est partie en Europe, elle ne réussit pas. Parce que leur cœur, c'est un cœur un cœur satanique. Un cœur satanique, vraiment. C'est un cœur qui n'a pas de place dans la communauté. Moi, j'ai fait des courtes vidéos. Je pense que la vidéo, si vous fera plaisir, je vous invite vraiment à vous abonner, à partager la vidéo, à liker, à commenter. Et puis, à vous abonner si vous êtes encore nouveau. On se revoit encore dans la prochaine vidéo. À ce moment-ci, je vous dis bye, en tout cas, portez-vous bien là où vous êtes. C'est moi, Gilmas, votre défenseur. Bye.